femme qui pleure, c'est l'histoire de 8 jours de la vie de Dora Maar. Dora Maar, artiste surréaliste, qui était l'amante de Picasso pendant 10 ans. Et c'était une femme extraordinaire, c'était une femme, une artiste du surréalisme qui a été très très connue avant son histoire avec Picasso. Et c'est l'histoire de ces 8 jours où elle part pour se reconstruire. C'est après la rupture avec Picasso. Et c'est son histoire de femme seule. Elle recommence sa vie, elle recommence à voir d'autres amis, à rencontrer d'autres amis. Elle fait ses voyages avec James Lore et Bernard Minoret, des écrivains homosexuels qui sont très amis à elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle ne pourra jamais être une nouvelle femme. Elle a été la femme de Picasso, elle restera pour toujours. Elle a été l'amour de Picasso, elle restera pour toujours. Et puis, c'est vrai que pour elle, c'est très difficile de revenir en tant qu'artiste aussi dans son histoire avec Picasso, parce que c'était pour elle très lié, son histoire d'artiste, son histoire de femme amoureuse, c'était très, très lié. Donc, c'est un livre sur l'amour, sur la passion, c'est un livre sur la douleur aussi. La douleur des femmes amoureuses et passionnées par l'amour et par l'art. Je me suis intéressée à la vie de Dora Maar parce que je l'aime beaucoup comme artiste, en tant qu'artiste. Je l'admire énormément. Et puis, j'ai découvert aussi sa vie avec Picasso, avec ce grand homme, ce grand peintre, ce grand génie du XXe siècle, qui était Picasso et qui était aussi un homme difficile. Ce n'était pas un homme facile à vivre. J'ai un livre que j'ai lu récemment, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Nuit tranquille à Belém » et c'est de Gilles Lapouge. C'est un livre d'aventure, c'est un livre d'un homme qui rencontre un enfant qui lui dit qu'il est son père, et il n'est pas son père évidemment, et c'est à partir de ce moment-là que l'aventure commence. Je ne dirai plus parce que c'est un livre qui vous surprend à chaque mot. Donc c'est un livre, c'est une histoire incroyable, c'est une histoire extraordinaire.